Ok, bah c'est reparti. Ok, bah c'est reparti, on continue notre exploration du world. Bon, je pense que là j'ai assez de trucs pour survivre. Il faudrait que je regarde un truc pour visuel. Ça c'est beau. Microtransaction. Ah, mais tu peux acheter des trucs en plus, mais lol. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je cherche? Comment on ouvre l'arbre des talents? Contrôle. Option, classement, afficher le panthéon. Oh, c'est pas ça. Sais pas. Arbre de talent, contrôle G. Bon. Salut, Dima. Enfin, Pierrot plutôt. Bon, bah si on continue notre petit explo. Moi j'étais là, hop. Allez, ma petite journée off, on continue à explorer. Oh mais en fait la carte elle change tout le temps. Wow. Ok. Bon, je vais essayer de pas mourir parce que d'habitude je meurs tout le temps. On va essayer de pas mourir comme une patatouille. Allez, Sunny, c'est le moment ou jamais de montrer ton skill à ce genre de game. Putain, mais là. GG, t'es un monstre. T'es un monstre, Pouletos. Oh non! Mais j'aurais pu vendre tout ça en fait. Ah merde, je peux pas. GG ça. Tant pis, j'ai tout. J'ai la flemme de le garder. Voilà. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà, là, moi je suis mort à cause d'un piège à la con. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai vraiment pas de place, hein. Je sais pas comment tu fais pour avoir plus de place dans ce jeu, mais. Ouais, même, c'est des trucs que j'utilise pas forcément. Ouais, allez. Pire, il y en aura d'autres. Tu as lu l'aide sanctuaire comme ça? Pas trop. Je sais qu'il faut choisir les. Comment ça s'appelle? Les salles, mais j'ai pas trop capté. Y a... Enfin, peut-être j'ai lu trop vite, peut-être aussi. Après, je sais qu'elle a les pièges, je suis déjà mort dessus, donc je fais attention. Oh. Voilà, je déclenche et je me casse. Après, c'est vrai que j'ai pas trop fait. Ok, Pouletto, amuse-toi bien aux toilettes. Tu vas vite pouvoir comment ça marchait. Je sais qu'en gros, tu choisis le machin, tu peux pas. Tu dois choisir les salles où tu vas, etc. Et tu peux pas revenir en arrière. Ça, c'est explicite. Oh, boîte rapière, ça c'est pas ouf. Mais ouais, non, j'ai pas trop compris, mais hop,
Voilà, ça je les déclenche parce que je vois que je meurs. Oh là, il m'a craché dessus. Il m'a déshonoré, les gars. Entre des coups de charognard. Oh, ça c'est pas mal. Gourdin, bois flottant. En fait, tu récupères des trucs, d'accord. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros monstres, donc ça va. C'est easy. Oh là, pas mal ça. Merci pour le follow, Roger. Prends-toi ça dans ta tête. Bon, je vous avoue, c'est mon journée off, hein. C'est pour ça que je joue à ce genre de jeu. Je joue au jeu que j'ai envie. Ah, j'aime trop, moi, les jeux comme ça. Mais bon, pour faire des petits shorts, je trouve que c'est compliqué. C'est plus facile de faire des shorts sur des vidéos où tu fais un kill ou tu mets un but que sur des vidéos de ce genre. J'avoue, j'ai un peu du mal. Merci Roger pour le follow, en fait. Voilà, enfin, pour ce genre de choses, quoi. C'est très compliqué de faire. Il y a une personne dans le chat là, elle parle tout le temps. Dans le chat du jeu. Bon, vous voyez pas, mais. C'est fou. Ça me fait penser à WoW un peu. Chemin portail. Comment ça, parcours échoué? J'avais un temps? Mais non! Mais non! Mais pourquoi j'ai échoué? Merde, j'ai pas lu, ça me prendra. Oh, je suis deg. Ben voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi. Je ne le saurai certainement jamais. Ah, il faut que je pète le nécromancien, je pense. Coucou! Alors, oh, on va faire un petit coup de boost. Ok, le coffre, il est ok. Est-ce que je mettrais pas du rock énervé? Venez, je mets du rock. Attends, je mets du rock. Qu'est-ce qu'il y a comme homme? Métal. Classique. Oh putain, mais les autres c'est payant. Nul! Sinon, je mets de la pop. Voilà. Sinon, il y a métal ou EDM. Je sais pas c'est quoi EDM. Aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, je sais pas pourquoi je mets le casque parce que au final, ça me sert pas à grand-chose. Pardon, le son du jeu, mais. Oh, il y a des mecs. On va tous les kill. Oh, quoi que le son du jeu, c'est bien en fait. Rectification. Là, il y a une petite porte. Ok. Ok. Petite porte ouverte. Alors, de ce que je comprends, en fait, ça dépend beaucoup de tes gemmes que tu as dans ce jeu. C'est quelque chose. C'est un peu rare comme un acquaintance de ne pas avoir des compétences prédéfinies. Au final, c'est vraiment par rapport aux gemmes que tu lootes et aux emplacements. Bon, je pense qu'il doit y avoir quand même une cohérence, mais ça dépend un peu beaucoup de ta chance, quoi. Si t'as des sorts de malades, ça va. Si t'en as pas, ben ça sert à rien. Ah, on peut les acheter aussi? Ah, je savais pas ça. Ah, ça peut être cool. Il faut que je regarde à. Tu l'as. On peut les acheter à l'hôtel de vente, c'est ça? Un sort de truc comme ça ou. Je vais en acheter alors parce que je savais pas. Parce que j'ai pas ma barre de sort remplie pour le coup. Parce que je mets que celle que je trouve. Nessa? D'accord. Bon, je vais y aller après, je pense. Bah, tiens, je vais y aller maintenant. Après, hop, on va aller ouvrir Nessa. Ça t'avance pas trop. T'es pas obligé de la remplir. Ouais, je vais voir, je suis curieux. Bon, de toute façon,
J'ai pas mal de parchemins. Attends, je vais regarder. Ah, c'est ça, ok. Bon, après, ça dépend le sort qu'elle te donne, quoi. Ah, ok, c'est là. C'est donc ici. Je regarde un peu les sorts, s'il y a un truc qui me plaît. Qui peut être cool. J'ai pas de sort rouge. Subi au toucher jusqu'en modifie l'habitude de frappe de mêlée partant à cette habitude d'infliger des dégâts collatéraux. Alors, les aptitudes modifiées rajoutent 25% de leurs dégâts physiques. Tu commences de l'autre côté de la force. Effectivement, j'ai fait un assassin. Assassin. Je vais faire un assassin. Modifie toutes les aptitudes qui sont des attaques de l'arc. Oh, de toute façon, j'ai pas d'arc. Ça, c'est contagion. Bon, contagion, on s'en fout. Ça, c'est pas mal, hein. En plus, ça. C'est un bon effet de synergie, je trouve. J'ai quoi d'autre là? J'ai un verre. Les aptitudes. Ah, ça dure que 8 minutes, merde. Faut que je me bouge. Y a-t-il mesure 10% d'octroyer assaut pendant temps lorsque vous touchez un ennemi? Tut. Un piège qui endommage les mauvaises. Ça peut être pas mal aussi. Modifie les sorts d'attaque. Ok, ça, on fout. Mais c'est trop cool, je savais pas qu'on pouvait acheter des trucs comme ça. Tue un ennemi lorsqu'elle touche un rare onyx dans des champs de la. Bon, allez. Déjà, j'ai pris quelques trucs là. On va retourner dans le portail. C'est juste pour faire quelques, pour choper quelques trucs. Par contre, ça c'est pas mal ça. Un petit piège. Ça pour les boss, ça peut être cool. Parchemin de sagesse, ça c'est bien. C'est vrai que d'habitude je fais toujours des barbares moi dans ce genre de jeu. Ou des guerriers ou des trucs comme ça. C'est un peu mon dada, mais là, c'est vrai que voleur, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le drop de Life Force? Ok. La mouillée. Repouletos. Ouais, je balance des épées de partout. Mange-toi ça. Arc court, ok. J'ai l'impression que j'ai. L'impression que j'avais pendant. Et ouais, parce que t'as essayé de tout donner. Et de toute façon, gagner un tournoi champion, c'est beau déjà. C'est propre pour les tosses. Est-ce que pour les tosses, ça te dérangerait pour le pour la nouvelle saison qu'on fasse les phases de sélection ensemble? Ça te dérange ou pas? Pour Rocket League, le 8. Ça pourrait être drôle. Tu sais, quand tu définis ton ranking sur Rocket League,
sais, tu dois faire 10 matchs en début de saison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou pas. J'ai l'impression que je stream en 1080, non, là? Est-ce que je streamerai pas en 1080, là? Je crois que je stream en 1080. Ça va, 6%. Je crois que je stream en 60 FPS, même. Ah non, 720, ok, j'ai rien. Non, ça va alors. Autant pour moi. Oh! Nécromancien. Bam! Oh là, il allait me lancer un sort de ouf. Donc, il faut que j'aille vers le bas. Ouais, je trouve qu'il est plutôt fluide. Ça va. C'est plutôt pas mal même. Bon là, pour ce genre de jeu, je mets pas TikTok parce que ça sert à rien. Pourquoi je peux pas passer? Ah oui, c'est par là. Mais. Oula, oula, oula. Oh là là, il y a des zombies de partout. Achachine. Personne ne peut attraper l'assassin qui est en moi. Le gars qui a trop vu de films. Je suis le Gripper. Ok, pas de soucis. Bah, le matin, je ferai Fortnite, je pense. Nos problèmes. Je pense qu'on va prolonger les tournois, on fera 4 heures. Au lieu de 1 heure, au moins pendant 3 fois par semaine, je pense que ça suffira. Je pense 4 fois par semaine, 3 fois par semaine des tournois de 4 heures. Je pense qu'on est bien. Ok, 11-4 points. Oh là là, un monstre! Un monstre. Mais après, je sais pas si c'est à vie, il faudrait que je regarde si c'est à vie, pas si. C'est quoi le but du jeu? C'est un jeu où tu dois monter un personnage. Tu dois tuer plein 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 de monstres à fond. Et en fait, t'as plein de trucs de personnalisation, un arbre de talent monstrueux. Je le montrerai après si tu veux. Mais l'arbre de talent est monstrueux. Et tu peux vraiment faire... Et tu dois survivre là. Par exemple, là, tu vois, je peux lancer des sorts. Moi, je suis une sorte d'assassin. Puis, le Jedi de l'ombre. Je peux me TP et tout. C'est plutôt satisfaisant parce que tu tues beaucoup de monstres en fait. Ça, c'est cool. Mais vraiment des flopés. Bam! Achachine. Oula, oula, là, il y a plein de monstres. Prends-toi ça! Tu peux les geler, tu peux les brûler, tu peux les empoisonner. Ah, tu peux faire plein de choses. Moi, j'aime bien ce jeu. Il est gratuit. Ça, c'est un jeu qui est sympa. C'est qu'il est gratuit. Alors, apparemment, il y a une aide. Mais où est l'aide? Je ne comprends pas où sont les aides. En haut à gauche. Alors, cette carte montre votre progression dans cet étage du sanctuaire interdit. Votre voyage vous fera suivre un chemin depuis l'entrée de l'étage jusqu'à la salle du boss. Vous ne pouvez pas faire demi-tour pour entrer dans des salles précédentes. Vous pouvez voir quelques salles en avant. Ce qui vous aidera à faire votre choix dans le chemin à monter. Empruntez votre parcours se termine si vous mourrez ou si vous épuisez totalement votre résolution. Alors la résolution c'est quoi déjà? Certaines salles vous infligeront des afflictions quand vous y serez. Gérez votre attention avec vos niveaux de résolution et vos arus et vos bienfaits afflictions pour sortir du sanctuaire vivant. Bon en gros faut pas trop prendre les chemins avec des afflictions quoi. Allez Reader j'évite les trucs quoi. Je sais pas à quelle heure je coupe. Franchement vu que c'est ma journée détente là.
Je couperai quand. Peut-être même à minuit. Mais va dormir, hein. Bah, c'est ma journée off, hein. C'est pas, y a pas d'obligation. Ah, putain, en fait, il faut que je me bouge les fesses. Parce qu'en fait, si ma résolution elle tombe, c'est fini, quoi. Ok, ben on va courir. Mais en fait, la résolution, t'as un temps limite, en fait, en gros. De ce que je comprends. Ok, on va un peu les tuer comme ça. Je vais balancer quelques sortes d'empoisonnement. Putain, ma résolution, elle tombe. Ok. Faut que je trouve la sortie, non? Ou faut que je tue un mec? Merde, je vais mourir là. En fait, j'ai pas trop compris le système de résolution. Ta résolution, elle tombe, ok, mais. Faut faire quoi? Faut le buter? Ah oui, il faut éliminer tous les gardes. Ok. J'ai un nombre limité. Faut que je me bouge les fesses. Ok. Ça, ah ok, en fait t'as un temps limite pour buter le mec quoi. 36 d'évasion. Ça c'est pas mal ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse par contre. Bouclier d'énergie. Ok, j'ai compris le principe. Faut aller très très vite, buter le mec et se barrer quoi. 10 de bouclier d'énergie. 32. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Ok. Ok, j'ai compris. Ah, en fait, le but, c'est de vraiment aller très très vite, buter le mec, se barrer et voilà, se casser. Demain, je commence à 9h. Ouais. Demain, je commence à 9h. Mais de toute façon, t'es pas là, toi, t'es au. T'es à l'école, quoi. Cage de Templier, pas mal ça. Ok. Bon, en fait, faut aller super vite en fait dans ce genre de jeu. D'accord, j'ai compris, Vidoc, comment ça marche. Bon, en fait, faut buter le gardien, se casser et voilà quoi. Prends-toi le piège dans la tête. Oh merde, je me suis raté. Je sais pas s'il a pris le piège. Ok, ça c'est bon. J'ai récupéré quelques trucs. Par contre, ce sort, il va pas trop avec mes autres trucs, hein. C'est pas mal le son de contagion, mais c'est pas oufissime. Oh, le chirurgien, tu vas mourir comme jamais. Tunique lubrifiée 58, là 73. Épée à une main, je m'en fiche. Ok, ça marche. De toute façon, demain, le tournoi, il commencera. Il va commencer tôt, je pense. Il va commencer assez tôt. Waouh! Waouh! Attends, apparemment, je peux changer de truc. Les dégâts du chaos. Dextérité, là je suis allé chercher ça.
Ça, c'est pas mal. On va prendre ça. Ça m'a l'air bien, ça. Faut que je change mes runes aussi. Oh, les quartiers du geôlier. Ben, c'est bon, il est là, le boss. Coucou. I'm here, my friend. I'm come to you. I would like to kill you. Oh, une pierre étrange. Qui se déplace comme un tueur, mais qui en fait t'a mangé, j'aurais aimé. Mais il parle de qui là? Ah, mais quelqu'un là-haut là! Mais qui est cette personne étrange qui me parle? Attends, je vais aller faire un tour. C'est qui cette personne là? Oh, journal de Chevron. Œil de lion est mort. Lui aussi veut faire coucou. Bon, ben j'ai hâte de voir ça. Hein. Notre... Oh merde! J'avoue que d'habitude, c'est pas trop le genre de jeu que je joue parce que c'est ma communauté est très jeune. J'avoue, je regarde, je joue à d'autres jeux d'habitude. Mais vu que c'est ma journée off, le jeudi, ça sera pas de chauffer. Exil. Ok, bah on va aller faire un petit coucou, hein. Je pense qu'il est pas très loin, le monsieur. Là, il y a un coffre. Hop. Coffre! Ok. Ok, là il y a un autre truc à lire apparemment. Apportez votre soutien plus à notre dame piété et veillez sur elle. Jamais quitter. La dame Umbra est la sans âme. Une histoire de. Oh putain, il est là! Mais lol, j'avais même pas vu. Oh putain, j'ai mal placé mon piège, ça commence mal. Oh là, oh là. Ouais, il est pas content. Pas content? Oh, t'es énervé, mec. Putain, en plus, il est une allonge de malade. J'ai quoi? Autrement, je peux me TP, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Vive le kiting! Ouais, j'avais pas vu en fait. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Il sort d'où ce mec? Ah, t'es mort! T'es mort! Ah ah! Tu ne pouvais pas affronter le grand Sony Power. J'avouais qu'il allait mourir. C'était obligé. Oh, la dague! Oh, sympa ça. La dague est super cool par contre. Attends. Parce que cette dague. Prérequis 10. Là, c'est quoi là? 6-10. Bah, on va mettre tout ça. Quelque part d'autre. On va le mettre là. Et là, on a une super nouvelle dague qui fait très très mal d'ailleurs. Il est trop grand pour l'appart. Les appartements du geôlier. Quartier du geôlier. Ok, je suis dans son appartement apparemment. Petite commodité. Putain, par contre, c'est super sombre, je vois rien. Mais vraiment, je vois que dalle.
Comment on fait pour que ce soit plus lumineux là? Parce que wow, je vois que dalle. Ou est-ce que c'est fait exprès peut-être? Mais comment on fait pour... Il n'y a pas un truc pour augmenter la luminosité? Enfin, j'ai pas l'impression. Bon, je pense que ça doit être fait exprès, hein, voir que dalle. Cher Chavron, vous avez certainement du pain sur la planche avec la légende. Notre empereur connaît très bien le père tempérament. Par contre, le texte pourrait défiler plus vite quand même. Ça marche pour les tosses. Plancher la zone soupirant de 6 parts. Oh! Bon, en fait, ils font de la sorcellerie. Si la jambe devait être frottée avant l'implantation, elle deviendrait inerte. Oh! Ayez confiance en votre talent, Chevron, mais pensez à ça. Oh! Il y a un mec l'a aidé pour faire des monstres. Eh ben écoute, c'est bon, on les a tous butés. Allez, au quai du lion. Oh ben, génial. Voilà. On les a tous désingués. On va aller au quai du lion. Et j'aimerais bien prendre de nouvelles gemmes. Pour être énervé comme jamais. Bon, j'ai un peu la flemme d'attendre. Lui va me donner ma petite récompense. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Une aura qui octroie de la régénération affectant le lanceur et ses alliés. Pas mal, ça me plaît. Précision et des chances de courtier avant le censeur. Waouh, ça c'est vraiment pas mal. Augmente de 27. Une déportation vers un emplacement qui endommage les amis. Voilà, c'est un des seuls plans. Option, bon, ça c'est déjà. Un plongeon à travers les ennemis qui inflige des dégâts en façon uniquement avec des dagues et blablabla. Ok. Jeter une mine qui va te prendre. Mon truc de givre, je pense que c'est le meilleur. Un sort qui vous octroie un saisissable, en effet, qui vous octroie. Enfin, tant que vous êtes dans cette aile, le monstre qui s'approche de vous subit des flétrissures. Utilisez notre aptitude pour perdre l'effet bénéfique insaisissable. Ok. Ça a l'air bien aussi. Percuter. Je pense que... Salut Xerox! Ça va? Jette un piège qui... Je pense que c'est celui-là que je vais prendre. Monte les chances de coup critique. C'est le best. C'est quand même aussi insane. Tain, et ça, elle a froid. Pas en galère. Alors, on va vendre des objets aussi, tiens. On va vendre des objets un peu... C'est Patch of Exile, c'est un jeu qui est gratuit, c'est un hack and slash. Je sais pas si tu sais ce que c'est, sinon je t'explique. Y a pas de souci. Je fais de la pédagogie aussi. Non, c'est un jeu qui est cool et après il y a des. Y a des mécaniques, hein, c'est un peu comme un Diablo 3, je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu. Après, l'arbre de talent est 10 000 fois plus complexe hein, que Diablo quand même. Quand même le reconnaître ça. J'en veux pas de ce truc. Plus 25 de dextérité, 30 de dextérité. Ah oui, ah, t'aimes bien ce genre de jeu? Ah, c'est cool ça. Bah essaye, il est gratuit, hein, de toute façon, tu verras bien si t'aimes bien. Oula. Par contre, pas ouf ça. Du coup, là, j'essaie de faire des trucs. Hop. Take care. Ça, on va mettre le genre de jeu. Alors, oui, non, en fait, dans ce genre de jeu,
il faut toujours privilégier les compétences dans un premier temps qui donnent de la survie. Ça, c'est la base. C'est les deux. C'est les deux. Il faut faire les deux, je pense. Dans lui, Patch of Exile, elle a l'air beaucoup plus complet que Diablo quand même sur la personnalisation, etc. Et en fait, il faut toujours privilégier les compétences qui te font survivre. Genre te barrer, courir, mettre des dots. Genre des dots, c'est des sorts qui infligent des dégâts en fait. Au mec. Mais ouais, c'est souvent ce genre de sort qu'il faut privilégier à mort. Et voilà. Oui, je me rappelle de toi. Je me souviens de toi, mon ami. Bah là, c'est ma journée off, donc je joue à ce que je veux, quoi. Je me permets de jouer à des jeux que d'habitude je ne jouerais pas. Pourquoi je peux pas le mettre? Attends. Ah, j'ai pas de truc rouge, je suis deg. Tirer une flèche. Ah non, ça c'est bon. Fracasse le sol. Ah, mais ça sert à rien pour moi, ça. À la rigueur, je le mets là. Je la vendrai si j'y arrive. Et ça, on va vendre les deux. Bye bye! À la prochaine. Hop. Oh, je suis un monstre. Mais pourquoi j'ai le sort de flash enflammé? Parce que j'ai pas de flèche enflammée, moi. D'où il sort? Où est-ce qu'il sort ce cher? Une attaque qui tire un projectile empoisonné à portée de mandat qui ricoche. Ok, ça c'est bon. Frappe un ennemi convertissant une partie de votre dégâts physique. Ok. Je sais pas d'où elle sort cette compétence de flèche là. Ah, elle est là. Putain, on s'en fout en fait. C'est une flèche. On s'en fout, c'est pas ce que je cherche. Par contre, elle a pas d'autres trucs cool là. Là, j'ai plein de trucs verts là. Prendre. Utilise deux armes si vous équipez d'une arme. Invoque un totem païen qui tire plusieurs flèches. Avec une telle qu'elle se brise en fragments. Ok, bon. Modifie le sort, je regarde s'il y a un truc qui peut être cool. Un sort. Oh, mais en fait, tu peux tous les acheter. Là, je suis en train de lire là. Putain, il faut tout le temps lire. Envoie une réplique spéciale de votre arme mêlée. L'arme est lancée sous forme de projectile. Oh, pas mal ce truc. Bon, allez, vas-y. On va continuer l'aventure, de toute façon. Je prends un peu de sort au pif, mais... Ah, pif. J'ai quand même lu, hein. Franchissez des étranges portails. Ok. Allez, bah on continue. Oula.
Oh, j'adore. Ça y est, là, ça commence à devenir iconique. Oula, oula. Putain, lui, il crame tout, ok. Ok, ça c'est pas mal, c'est plus cher. Parchemin de sagesse, je prends. Bâton primitif, je prends pas. Oula, oula, tout crame, ok. Putain, mais il y en a plein là. Il n'y a que des monstres énervés. Bon, mon lancer de couteau, c'est le meilleur sort que j'ai quand même. Quand même pas se leurrer. Plastron, ok, c'est pas trop mon truc. Ah mais j'ai des cordes prismatiques. Cliquer strike ball. Ok. Suivez la route de l'empereur. Je vais peut-être pas tarder. Encore 20 minutes de live je pense. Après je vais aller au dodo. Je vais lire mes mangas. Oula, c'est quoi ça? Elle vit, voyons, mais est-ce que... Putain mais c'était quoi ce truc de ouf? Je peux pas y aller. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce fucking truc? Montre ça. Je pense qu'il faut que j'aille au sud. Parchemin de sagesse. Bon, en tout cas, le jeu est très très bien. Bouclier, ok. Ça, c'est bon. C'est bon, j'ai mes skills de vie. Ouais, un passage vers la forêt. Ok, trouvons un passage vers la forêt. Ça c'est bon. Étirement. Oh, c'était ça ma petit étirement. Ah, gardez des chaînes. Prends-toi ça, bam bam. Je crois que t'es en train de dépenser tous tes points de chaîne. Alors, la mouillée, ça c'est bon. Parchemin de sagesse. Le dos droit. Le dos droit. Le dos droit. C'est vrai que je suis un peu rentré là.
Bouclier énergétique, c'est bon. On a fait le truc. Ah, j'ai trouvé le passage. Ok, on va s'arrêter au prochain point de téléportation, je pense. Et après, je vais dire mes petits mangas. Ryusuke, le manga qui est ultra gore sur le kickboxing. Non, sur la boxe. Le gamin, il a vécu toutes les pires horreurs du monde. Ben, forcément, quand il arrive sur le ring, hein. Il est en mode énervé. Il a tout vu. Le manga Igor, hein, de base. Je vous partagerai le titre. Wow. Hachoir de jade. C'est quoi mon truc? Des nouvelles glaces? Ok. Wow, c'est quoi tout ça là? J'adore ce genre de jeu, c'est que c'est hyper exécutoire parce que. En gros, t'as passé une mauvaise journée, bah tu te défoules sur les petits monstres. Ou tu vas au sport aussi, ça marche aussi, mais c'est moins fatigant qu'aller au sport quand même. Ah, venez, on va au sanctuaire. Alors, on va prendre un truc facile, hein, parce que j'ai pas envie de mourir. Il faut juste que je tue le gardien. Éliminer tous les gardiens. Ok, on se barre, on s'en fout, c'est pas un gardien. Ah, là il y a un gardien. Oh, mais je peux prendre des coups dans la gueule. Ouh là là, ouh là là. Ah, en fait, dès que je me prends des coups, en fait, je peux mourir. Ok. Ouais, en fait, faut. Oh non! En plus, j'avais fini la salle! En plus, il y avait une salle. Je suis deg. Ok, j'ai compris comment ça a marché. En fait, faut pas se prendre de coups. Voilà quoi. C'est quoi ça? Espira améliore un œuvre. Oh, pas mal, espace murmurant, ça a l'air un truc insane ce machin. Pas mal. Je sais pas ce que ça vaut, mais. Ça a l'air d'être incroyable. Il faut juste que je trouve un passage. Et on aura finito. Et un mallette de pharma. Ok, on n'est pas très loin. On se doit par là. J'avoue, je suis un peu en full rush.
Ok, ça c'est bon. On les a tous butés. On va juste prendre le truc du carreau. Ok, on se barre. Tout, 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 tout. Salut Info 13. Ça va? Oh, ça y est, j'ai trouvé le... Ah non, c'est cimetière des navires. Je crois que c'est pas trop. Je ne sais pas si je suis vers le bon chemin là. Bah, je crois que si. Hein. Bah avant il y a beaucoup plus de. Bah en fait il y a plus de monde, c'est juste que c'est pas mon jeu en fait ça. D'ailleurs je vais arrêter là. Bon, parce que c'est pas le jeu que je joue d'habitude. Demain il y aura beaucoup plus de monde quand je jouerai à Fortnite et à Rocket League. TKT. Bon sur ce, je te dis à demain. Mais aussi parce que ma journée est off, accessoirement. Du coup je joue un peu à des jeux que.